qui s'est passé? La première chose, Inaki Peña, jusqu'à présent, monsieur, montrait que et des matières pour yokembe avec lui. Même là, Inaki Peña comme goalkeeper, c'est pas ça qui fait de mieux. C'était Stegen qui est titulaire, c'était Stegen capitaine et blessé, Negovina avec Cessny, mais jusqu'à présent, Inaki Peña pas by tête les légitimités pour continuer à rester en bacan. M'pas connait qui le flic pas décider de titulariser on est pour Cessny, peut-être dans mois qui va venir là yo, pas oublier Barcelone qui a gagné en pile match et dans jour ça yo, novembre, décembre, janvier. Quand on pile match, c'est vrai qu'on trêve dans fin décembre, mais pas oublier, on m'a parlé dans Liga, pas oublier, bon, selon une Super Coupe d'Espagne, bon, selon une Coupe d'Espagne, bon, selon une Ligue des Champions, dans un nouveau format, ça va continuer. Donc, on pile match. Peut-être c'est à partir de ce moment qu'on a été consistant lui-même, libéral jouer, mais Inaki Peña a montré de très bonnes choses. Et dans le match, ça, contre équipe Celta Vigo, hein, il était très bon. Il était très bon, et jusqu'à présent, Inaki Peña, lui-même, il a joué très très bien, il a comporté là c'est bien en battant pour l'équipe FC Barcelone. Chapeau avec Celta Vigo, je pense que l'équipe de Celta Vigo était quoi? Et était quoi que l'a joué contre une équipe qui est prunable et une équipe qui était peu inspirée, une équipe qui n'a pas gagné contrôle technique ni tant rien. Parce que Barcelone a Casado, Pedri, Gavi, Olmo et Rafinha qui a rentré dans le terrain. Mais quand même, Barcelone ont assurance et au niveau du milieu et pour la conservation ballon, la gestion ballon. Mais Barcelone pas gagné ça. Et sous près de 3 milieux de terrain, comme Casado et Gavi et surtout Pedri dans l'organisation, dans la gestion et du ballon, Barcelone a gagné en pile difficulté. Et je pense que ça a dérangé l'équipe FC Barcelone parce que pas gagné maîtrise technique au niveau du milieu. Que ce soit ou prend on est avec Jonathan Bamba, ou prend Hugo Alvarez qui joue un très bon match comme milieu offensif droit, par moment qui est lié, ou prend Hector Fran Beltran, ou prend Alex Moriba, et bien, ou te dérangé, mais t'es équipe FC Barcelone. Dérangé, mais t'es équipe FC Barcelone dans intensité, dans agressivité, dans volume. Barcelone est en pile difficulté, c'est ton équipe qui est crispée au niveau du milieu, n'a pas parlé de l'équipe FC Barcelone. Mais l'équipe Celta Vigo, t'es extra. Qu'on y est là. Si nous prenons Maxa, c'est un deuxième mauvais match pour l'équipe FC Barcelone. Ou t'es qu'on a battu Barcelone, qu'on a battu Matsari, il t'a prêté un mauvais match dans tête, moi. C'est approche là. Et c'est une équipe qui pas véritablement contre ça, elle t'a fait. Ça veut dire que c'est une équipe qui peut inspirer. C'est une équipe qui t'est prenant un volume et agressivité équipe Celta Vigo. C'est ton équipe qui pas d'en pile qui pas d'en pile maîtrise dans dernier partie terrain en termes dans combinaison yo. Équipe ça t'es manqué maîtrise dans dernier partie terrain dans combinaison. Et oui, Rafinha a continué rete égal à lui-même, Lewandowski a Rafinha deux joueurs ça yo même yo. Yo a joué extrêmement bien, meilleure saison Rafinha dans toute carrière li, alors que nous dans mois de novembre Lewandowski continue à faire goal pour l'équipe FC Barcelone. Non, mais c'est pas ton goal Lewandowski. Il n'y a pas problème moyen avec Lewandowski. Lewandowski qui a le ballon trop, il récupère le ballon. Il envie de faire bagarre en plus. Alors que Jordan, la l'âge Lewandowski, pas permet de faire trop bagarre avec le ballon. C'est pas Benzema, c'est pas Ronaldo, c'est pas Alan non plus. Mais il faut qu'on ait priorité avec sa priorité. Deux priorités en acte pour Lewandowski, c'est positionnement. Mais le gain ballon, il gain ont tendance à faire plus que ça. Alors que, moment, c'est bye ballon et puis à le placer. Lewandowski, tout le monde compte ça, je sais, au président. Même le fait gol, mais c'est pas ton gros Lewandowski tout. Pas gagner trop de combinaisons tout. Autre chose, faut nous toujours parler de Casa. Barcelone manque vitesse, Barcelone manque percussion. Qui est-ce qui doit faire ça? C'est Lamine, malheureusement, pas là. C'est Lamine qui doit faire ça, pas là. Lamine, c'est un deuxième match une colère à Claude que Lamine pas là. C'est un deuxième match une colère à Claude que Barcelone pas bat. Et trois matchs que Barcelone pas bat saison ça, c'est soit Lamine pas commencé ou bien pas là du tout. Contre équipe football ça, qui c'est équipe
Osasuna que Barcelone perdu, Lamine pas commencé. Contre Sociedad que Barcelone perdu, Lamine pas là du tout. Contre équipe Celta Vigo que Barcelone fait 2-2, Lamine pas là du tout. Et le nous garde des problèmes non, c'est vrai moi parler de yon erreur professionnel ou faute professionnel grave parce que deux quatre jaunes ça c'est vrai on est tout coup et Jérôme Martin est deux sorti à la mi-temps en deuxième carte jaune mais deux quatre jaunes dans 7 minutes de la part de Casado synonyme rouge c'est erreur jeunesse manque d'expérience et puis faute professionnelle grave ça de la part de Jules Koundé pour remettre équipe et Celta Vigo en un match et sous près de l'ensemble c'était un petit match pour équipe FC Barcelone là contre équipe et Celta Vigo. On est là, on nous garder classement, on nous garder classement Liga côté Real Madrid a gagné pour jouer contre équipe Liga Nesla. Eh bien équipe Atlético Madrid là lui-même li bat dans journée ça 2-1. Eh bien le nous garder classement équipe FC Barcelone là mettait dans une situation inconfortable. Pas oublier Real Madrid gon match en retard. Real Madrid gon match en retard. Même le Real Madrid t'a bat les gars, c'est bat match en retard là. Barcelone n'a still leader. Mais un leader qui t'es dans une situation très confortable, qu'on est dans une situation inconfortable. Parce que n'a parlé quand même de Barcelone qui joue 14 matchs qui gagne 34 points, Atlético Madrid joue 14 matchs qui gagne 29 points, donc Barcelone gagne 5 points sous équipe Atlético Madrid là. Mais Real Madrid gagne 27 points, il joue 12 matchs. Il y a un match en retard contre l'équipe Valence là. Match en retard là, oui, c'est pour lui, mais ce n'est pas une garantie qu'on bat. Et puis, il y a pour jouer match 14e junior contre l'équipe Liga Nes là. Donc, Real Madrid, s'il bat match en retard et puis match contre Liga Nes là, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres matchs qui ont pour jouer avant match contre l'équipe Valence, match en retard là, qui est capable de faire l'autre calcul dans le classement. Hein? Mais, Barcelone mettait tête dans une situation inconfortable là, avec deux matchs sans victoire, dans 13e à 14e journée Liga. Mais c'était un petit match pour l'équipe FC Barcelone dans la production. C'était un Barcelone n'a pas de bon. Et puis, il y a une faute professionnelle grave ça de la part de Koundé. Et ouais, je n'ai ça de la part de Marc Casado. Tap Tap Sing, c'est plus beaucoup compagnie pour vous l'argent, bah, il faut moi, exemple, qu'en Haïti, sans ou pas besoin d'aller dans une maison transfert. Téléchargez l'application Tap Tap Sing dans Google Play Store, bien absurde ou éligible. Faut moi qui, en Haïti, ou bien, zami ou, besoin de mon cash, il a juste téléphone. C'est 4 débuts qui ont besoin de faire transaction et leur utiliser pour mon code moyen, Kim Haïti, K-I-M-H-A-I-T-I, ou à gagner $15 sur première transaction.